Italie, Transco retrouvé dans une cachette abandonnée sans moteur et d'autres pièces essentielles. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Entreprises est allé constater cela. Booster l'économie nationale doit passer nécessairement par la promotion des importateurs congolais. Le ministre des Tutelles scrute les possibilités. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'Assemblée nationale l'a adopté à l'unanimité. Les députés nationaux l'ont fait hier et l'ont envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Moué. Sur 281 députés nationaux, 280 ont voté pour, 1 a voté contre, aucune abstention. L'Assemblée plénière a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour la 8e fois. Ce projet de loi a été, comme le stipule le texte, renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diakwanga, la ministre d'État, ministre de la Justice et Pierre Pétissou, a présenté le premier général de ce projet de loi. Conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, Rose Mutombo est revenue sur les principes constitutionnels qui octroient de plein droit le pouvoir au Parlement de statuer sur la prorogation de l'état de siège. Sur le terrain des opérations, des avancées majeures ont été enregistrées. Selon la ministre d'État en charge de la justice, au Nord Kivu, 37 localités ont été reprises. 444 éléments se sont rendus aux forces de défense et de sécurité. 428 armes récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. En Ituri, 26 localités conquises de main de groupes armés. 152 personnes libérées sur 189 kidnappées. 49 armes récupérées. D'où la prorogation de l'état de siège s'avère nécessaire pour permettre aux forces armées de rétablir l'autorité de l'État pour qu'enfin les deux provinces retrouvent la paix. Bien avant, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2021. C'est à la Chambre haute du Parlement. Ce vendredi, les sénateurs ont prorogé pour la 8e fois consécutive l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Au cours de la plénière présidée par Modeste Baati, les sénateurs ont été informés de la venue prochaine du chef du gouvernement au Sénat pour l'évaluation de l'état de siège. Reportage sans panier. Seront encore sous état de siège. Les sénateurs ont adopté ce vendredi 17 septembre 2021 au Palais du Peuple le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour la 8e fois, et cela à l'unanimité. Au cours de la même plénière, l'honorable président du Sénat, Modeste Baati Lupebo, a informé aux sénateurs que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kenge a été saisi par le bureau du Sénat afin de procéder à l'évaluation de l'état de siège. Quelques membres du gouvernement concernés par cette question seront invités incessamment pour être auditionnés au cours d'une plénière. Nous avons saisi le Premier ministre pour demander à ce qu'il désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du Premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, et le ministre de la Défense nationale et ancien commandant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, viendra avec les deux gouverneurs militaires. Le ministre de la Défense, qui se fera accompagner du chef d'état-major général et de tout autre collaborateur qu'il jugera utile et indispensable. La ministre de la Justice, mais également le ministre des Finances. Le ministre des Finances répondra également aux préoccupations des élus, sur l'impact socio-économique de l'état de siège. Une position soutenue par l'ensemble des sénateurs.
Le président du Sénat, Modeste Baati-Loukebon, a par ailleurs rappelé ses collègues à la régularité dans leur travail, tout en rappelant la disposition de l'article 10 de la Constitution qui stipule qu'un sénateur peut perdre son mandat s'il s'absente sans justification valable à plus d'un quart des plénières au cours d'une session. Modeste Baati a soutenu que la bonne gouvernance que prône son bureau en se conformant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rime avec le respect des textes qui régissent leur institution. La province de l'Ituri, placée sous état de siège, a besoin de moyens importants pour venir à bout de l'insécurité qui bat son plein dans ce coin du pays. Pour ce faire, le directeur général de la Direction générale de recettes de l'Ituri effectue à travers la province une mission de sensibilisation au civisme fiscal. Reportage. Le civisme fiscal lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas tombé dans les oreilles du sourd en province de l'Ituri. Pour intérioriser cette vision de l'autorité suprême du pays, le DG de la Direction générale de recettes de la province de l'Ituri a entamé depuis le mardi 14 septembre 2021 une tournée d'inspection et de sensibilisation en territoire d'Arou et de Mahagui. Pour y arriver, Alain Maurice Dibo met au centre de ses priorités le social du personnel. Décide de faire une itinérance dans tous nos ressorts, et les premiers ressorts c'était Mahagui, maintenant nous entrons dans l'étape de Arou, pour les mêmes objectifs, donc toujours sensibiliser et redynamiser les équipes, surtout sur les deux aspects de maximisation des recettes par la franche collaboration et par la motivation des troupes. Donc nous sommes dans la continuité de ce que nous avons enclenché, que nous allons continuer partout où nous allons aller. Pour sa part, l'administrateur policier d'Arou, le commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, a promis son accompagnement à la nouvelle équipe de cette régie provinciale pour la réussite de sa mission, lui confiée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Notons que le nouveau DG de la DGRPI succède à Joseph Ouyang Ouliera, détenu à ce jour à la prison centrale de Bounian pour un présumé détournement de deniers publics. Réconcilier les vues des pays concernés par le barrage de la Renaissance, c'est la mission que le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est donnée à la tête de l'Union africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a rencontré ses homologues de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte. Doris Mozo Tamboué revient sur l'étape du Soudan. Le périple de paix Lutundula et sa délégation poursuit son chemin. Il est arrivé à Khartoum au Soudan, deuxième et avant-dernière étape de la tournée de facilitation autour du barrage de la Renaissance. Une approche identique à celle d'Addis Abeba, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a pris une heure de tête-à-tête avec son collègue soudanais pour transmettre fidèlement les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, à son homologue éthiopien qui tient à une solution concertée et fraternelle avant la fin de son mandat à la tête de l'organisation panafricaine. Obtenir un consensus de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte sur les barrages de Renaissance est donc l'objectif du mandat de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. La mission est certes lourde, mais pour Christophe Lutundula, l'Union africaine qui joue le rôle de facilitateur demande aux pays concernés par le barrage de privilégier la volonté politique et de faire de ce projet commun un facteur de paix, de complémentarité et de fraternité. Un agenda est même proposé pour une rencontre à Kinshasa des experts de trois pays pour but d'harmoniser les vues et dissiper les zones d'ombre afin de permettre de se rassurer mutuellement. Cette rencontre sera suivie de la réunion des ministres des Affaires étrangères, puis celle de chefs d'État. Il faut signaler la présence à la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du professeur Toumba Luaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, ainsi que quelques experts de la présidence de la République et de la Commission de l'Union africaine. Les pays membres de la CIRGEL se sont retrouvés en mini-sommet à Luanda, en Angola. La situation en Centrafrique et l'impact sur la sous-région ont été analysés. La RDC y a été représentée par les ministres de l'intégration régionale Didier Manzenga et de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Vital Pagabita pour le reportage. Les pays de la sous-région des Grands Lacs sont confrontés pour la plupart à l'insécurité. Au cours de ce troisième mini-sommet de la CIRGEL
Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, convoquée à Luanda par le président angolais João Manuel Lorenzo, il a été essentiellement question de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté à ses assises par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu et celui de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Il ressort de toutes les allocutions prononcées, notamment par le président angolais, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, celui de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, et du président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, la volonté et la détermination de tous les pays de la sous-région de promouvoir la paix et la sécurité en Centrafrique. À cet égard, des efforts sont à déployer pour endiguer le phénomène des groupes armés auteurs de beaucoup de dégâts matériels et pertes en vie humaine. Les acteurs sociopolitiques ont été invités in fine à regarder dans la même direction afin de préserver la paix et la sécurité, gage de tout développement. Clôture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Trois recommandations ont été formulées, entre autres l'Organisation internationale vers l'Union d'État. Reportage Jojo Ndibou. Tout comme à l'ouverture, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Okito, qui a, au nom du premier ministre, procédé à la clôture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ces assises de deux jours ont eu trois objectifs majeurs, à savoir expliquer dans le contexte de la Covid-19 la présidence congolaise de l'Union africaine, tracée en forme de jalon et repère le chemin vers la réalisation de l'agenda 2063 par la présidence congolaise jusqu'en février 2022, ainsi que mettre en exergue la diplomatie et les initiatives congolaises à la hauteur et au service du continent. Organisé à l'attention des auditeurs de la 4e session spéciale et la 6e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense, CHESD. Le président du panel, le professeur Toumba Luaba, à séance tenante, évoquait le retour de la RDC sur l'échiquier international. Ces assises se sont clôturées avec trois recommandations qui ont été formulées pour une présidence de l'UA réaliste, à savoir militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union d'États, redéfinir le concept souveraineté en incluant le variable de l'agenda 2063. Toujours et toujours placer le peuple africain au cœur de tous ses desiderata. Une réflexion profonde s'est menée pendant 4 jours pour l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre le terrorisme. L'atelier qui a été ouvert par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité s'est clôturé dans la salle de conférence des affaires étrangères. Reportage Lisette Mojinga. La vulgarisation du plan stratégique de prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme au niveau national, c'est parmi les recommandations issues des 4 jours de l'atelier national des consultations sur le projet des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme et de son plan d'action. Les participants à ces travaux ont passé en revue les mesures destinées à prévenir le terrorisme et à les combattre. Ces mesures sont nécessaires pour renforcer les moyens dont disposent les États afin de poursuivre, de jouer le même rôle que l'Organisation des Nations Unies ainsi que celle garantissant le respect des droits de l'homme et la primauté de l'action en tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste. C'est le représentant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Roger Kibelessa, qui a clôturé ses assises. Selon lui, l'objectif était de mieux connaître la stratégie nationale qui exprime la détermination du président de la République dans son combat pour le développement, la restauration de l'autorité de l'État pour la stabilité de la paix en République démocratique du Congo.
La ville de Lubumbashi abrite la 5e édition du Forum sur l'énergie. Les travaux ont été ouverts par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, qui a mis l'accent sur la valorisation de l'énergie propre pour résoudre le problème de l'électricité en RDC. Et le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a relevé les difficultés majeures rencontrées dans la desserte en électricité. De nos envoyés spéciaux, Marie Kalong et Patrick Keshala. C'est dans un contexte particulier que s'est tenue la 5e édition de la conférence sur l'énergie à Lubumbashi, capitale du cuivre. Par rapport aux autres éditions, celle-ci est caractérisée par la régulation du secteur de l'électricité ainsi que la construction du barrage de Zongo et de Busanga, d'après le vice-président de la FEC, Eric Monga. Ces assises reparties en trois panels, à savoir modèle, progrès et réalisation dans le secteur énergétique, énergie et environnement social ainsi que cadre légal et accès au financement, ont été ouverts par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemukaleng. La solution déficit énergétique dont souffre notre pays depuis des décennies passe inéluctablement par le recours aux énergies renouvelables, en appui à l'hydroélectricité dans un mix énergétique. Nous attendons l'implication de tous ceux qui voudraient bien investir dans ce secteur pour atteindre cet objectif. Le directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, l'un des orateurs du troisième panel, a fait une présentation succincte des progrès réalisés à travers le pays, mais également des difficultés rencontrées. Les difficultés que nous avons sont d'ordre d'abord d'infrastructure, de production pour rattraper le déficit, mais il y a aussi des actes de vandalisme qui ont sérieusement augmenté, où on est en train de détruire méchamment nos réseaux. Nous devons faire un effort pour que l'infrastructure soit rattrapée. Le ministre d'État des Petites et Moyennes Entreprises, le gouverneur intérimaire du Lualaba, le président de la FEC et d'autres partenaires du secteur étaient présents à cette 5e édition. Découverte de 161 bus Transco abandonnés sans moteur, sans d'autres pièces essentielles dans une concession privée dans la commune de Lancelle. Sur ce, une commission d'enquête vient d'être statuée sur ce problème et que les auteurs répondent de leurs actes. Myriam Madiga. 161 bus Transco abandonnés dans deux parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité dans la commune de Lancelle viennent d'être découverts par le ministre Chérubin Okende, accompagné de son vice Marc Ekila et de l'équipe dirigeante de l'entreprise Transport au Congo, Transco. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à rétablir les responsabilités. Chief Chipamba, directeur général des Transco, qui a lancé cette alerte auprès du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, a condamné cet acte. Nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même amenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Sans plus tarder, le ministre Chérubin Okende a promis la mise en place ce même jeudi 16 septembre d'une commission d'enquête qui devra statuer sur ces problèmes et que les auteurs répondent de leurs actes. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, est déterminé à créer la concurrence et à assurer le respect du juste prix des produits surgelés sur le marché au profit du consommateur congolais. Jean-Marie Kalumba a échangé à ce sujet avec l'ADG de la FN Banque qui accepte d'accompagner les efforts du gouvernement. Sandra Nyangui, Guilain Kassou pour le reportage. La baisse des prix de produits surgelés en République démocratique du Congo, la FBN Bank s'engage à accompagner les efforts du gouvernement qui veut appuyer financièrement les importateurs nationaux. Le directeur général de cette banque l'a dit jeudi à l'issue d'un échange avec le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma.
L'objectif de la démarche du gouvernement est de créer la concurrence et assurer le respect du juste prix des produits surgelés sur le marché au profit du consommateur congolais. Hakim Oladele s'exprime en ce terme. We are here to collaborate with His Excellence. On est là pour collaborer avec Son Excellence, le ministre de l'Économie, sur les différentes manières de mettre en place une structure qui va encourager les Congolais à participer à l'importation de denrées alimentaires pour le pays. La FBM Bank RDC collabore avec le ministère de l'Économie afin de développer un système destiné à encourager les Congolais à importer les aliments qui sont consommés en RDC par leurs compatriotes et distribués par ce dernier dans les différentes parties du pays à des coûts raisonnables. Clôture de la session de formation des médecins conseils. Pendant 10 jours, les médecins de la RDC et ceux du Burundi ont réfléchi sur l'effectivité de la couverture santé universelle. Josette Kayambula-Matari. 10 jours ont suffi pour les 38 médecins conseils de la RDC et ceux du Burundi pour maîtriser les paramètres qui entourent l'effectivité de la couverture santé universelle sur toute l'étendue du pays. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doussikembe, représentée par le secrétaire général de la Prévoyance sociale, reconnaît les efforts fournis par le gouvernement Samalou Kondé quant à ceux. C'est ici l'occasion pour moi de rendre je dois hommage à Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Que Son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, premier ministre et chef du gouvernement, trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance pour tous les efforts consentis. Les bénéficiaires ont, au cours de cette formation, dans sa partie pratique, effectué une série de descentes dans quelques centres hospitaliers de la capitale. Question de palper les réalités des problèmes de santé qui se posent avec acuité dans la ville province Kinshasa. Nous évoluons vers la couverture santé universelle qui va plus être beaucoup plus large, dans la mesure où les mutuelles, malheureusement basées sur le volontariat, ne peuvent pas mobiliser énormément de monde. L'idée de la couverture santé universelle, c'est de couvrir tout le monde, de ne laisser personne derrière. Claudine Doussikembe a exhorté les médecins conseils à travailler pour la réussite de cette initiative. La sécurisation des journalistes pendant l'exercice de leur métier, cette question a été passée au peigne fin au cours d'une séance de travail entre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et la délégation des journalistes travaillant dans les médias internationaux. Jessica Vassilé pour d'autres précisions. Devant le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement dans son cabinet de travail, cette délégation de l'Association des correspondants congolais de la presse internationale exprime leur désapprobation suite à la brutalité dont a été victime le correspondant de la Radio France Internationale et directeur général du média Actualité.cd, Patient Ligodi, lors de la marche interdite de la coalition Lamuka El Fayoulou Mouzitou. Pour nous, nous devons voir et constater que le gouvernement se désolidarise de ce qui s'est passé, pour que nous puissions être convaincus que c'est un acte isolé. Une opportunité pour ces chevaliers de la plume de réitérer leur condamnation contre de telles bavures policières. Ils estiment avoir réussi les assurances du ministre de la Communication et Médias pour la liberté de la presse. Le ministre a été pratiquement dans la même compréhension des choses que nous, et il nous a promis qu'il va sensibiliser les responsables de la police pour que des orientations claires soient données aux policiers pendant les opérations, que l'on sache que les journalistes sont libres d'exercer lorsqu'il est sur le terrain, qu'il n'y ait pas d'entrave. Au contraire, que les policiers puissent accompagner les journalistes. Quelques jours après, les policiers responsables ont été interpellés. La RTNC tient à offrir au public congolais des journalistes et techniciens professionnels de qualité. La cinquième session de cette série des formations a été clôturée hier vendredi par le directeur général intérimaire de la RTNC, Freddy Moulumba. Reportage Rodépanda.
14 des 30 apprenants attendus sur la session de formation des équipes de production du journal télévisé ont reçu leurs attestations de participation de main du directeur général AI de la Radio-Télévision nationale congolaise ce vendredi 17 septembre 2021 dans la salle polyvalente de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICEA. Freddy Moulumba Kabwayi est décidé à relever le défi de redorer l'image de la RTNC qui a plus que besoin d'une cure de recyclage de ses agents et cadres par l'expertise disponible en interne. Quand on a assuré cette formation, on a constaté qu'il y avait certaines carences dans le chef de récipiendaire, c'est comme ça que nous nous sommes employés à appeler les ABC de la profession, le principe de la profession, le principe de reportage. N'ont pas changé. C'est l'outil de travail qui a changé. La RTNC regorge des compétences en la matière que vous ne trouvez nulle part. Mais ces gens-là sont sous-utilisés. Freddy Moulumba, en tant que directeur général AI, ça fait 2 mois, réaliser 5 sessions de remise à niveau des professionnels de la RTNC, il faut d'abord y penser. C'est un acte qu'il faut féliciter. Les miroirs de la République démocratique du Congo, c'est la RTNC, qu'on le veuille ou non. Ces 5 sessions de formation ont sorti 76 professionnels de l'audiovisuel déjà. Le changement est perceptible quand vous regardez la télévision et quand vous écoutez la radio. Mais d'ici 1 mois et demi, les téléspectateurs avertis, les auditeurs de la RTNC prendront de même rendez-vous avec la chaîne nationale. Et à l'issue de cette 5e session de formation, les participants ont donné de la voix. Les formateurs ont ravivé en nous les réflexes journalistiques pour nous permettre d'améliorer notre manière de travailler en vue du meilleur pour la télévision nationale congolaise. Il nous est demandé d'améliorer la qualité de travail que le Congolais, les téléspectateurs congolais attendent de nous. Donc, à la RTNC de reprendre sa place d'antan pour donner une bonne information, des vraies informations et des informations qui doivent être traitées de manière professionnelle. On a formé une équipe de production, notamment la présentation, le reportage, le secrétaire de rédaction, le caméraman et même le monteur. Cela pour donner du volume à ce que nous devons faire comme travail de tous les jours. La RTNC actuellement s'inscrit dans une logique de changement. Il faudrait que nous puissions travailler en symbiose et que chacun puisse apporter sa contribution et jouer sa partition pour que les journaux télévisés de la RTNC puissent être compétitifs. Les lignes maritimes congolaises sont désormais joignables depuis l'extérieur avec des bureaux de représentation ouverts en Afrique du Sud et en Namibie. Le président du conseil d'administration et le directeur général de cette entreprise étaient à Djobourg pour l'ouverture de ce bureau. Edith Tchala. Dans la partie sud et est de la République démocratique du Congo, les lignes maritimes congolaises se sont installées pour la sortir de l'enclavement. Ceci procède de la volonté du nouveau leadership de cette entreprise de répondre aux besoins congolais de transport sur mer et d'une vision avant-gardiste. Lambert Mende Omalanga, président du conseil d'administration à la tête d'une importante délégation dans laquelle se trouvait le directeur général Cédric Tshizayinga, s'est déplacé à Johannesburg en Afrique du Sud et à Walvis Bay en Namibie pour l'ouverture des bureaux de représentation des lignes maritimes congolaises. Un événement qui place les lignes maritimes congolaises sur la voie de la compétition commerciale sur le continent dans un contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. L'armateur national ne veut laisser aucune place à d'autres et s'engage à desservir tous les ports de transit vers la République démocratique du Congo sur tous les corridors. Assurer la présence à un coût raisonnable des lignes maritimes congolaises dans différents ports de transit de la région. Notre direction générale est engagée dans une négociation qui est pratiquement terminée pour une synergie en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux navires. La conviction du directeur général Cédric Tshizayinga laisse entrevoir les lignes maritimes congolaises plus compétitives et prêtes à renflouer les caisses de l'État par le commerce extérieur de la RDC.
Fin de ce journal réalisé par Louison Moulongoy et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, Redin Poy et Rubin Kumbu. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.